pour la VOD. Bonjour la VOD. Je suis un petit peu malade, mais ça m'empêche pas de lancer Up Like Tell Requiem. Désolé en tout cas si tu parles bizarre. Je vais faire tout mon possible. C'est un vestibule. On était je ne vois pas de porte. À la recherche du magister, je sais pas quoi. Regarde, elle porte des symboles de planètes. Et ah, ici, bon. Le soleil trône au centre. L'ordre des planètes n'est pas le bon. Comment ça fonctionne tout ça? Mais comment on reconnaît là les planètes sous chacune de ces cloches? C'est un seul et même mécanisme. Mais on n'a pas de clé, alors. Je pense que la clé fait pivoter. Mais t'as fumé, cloche. Bro. Mais ta fronde pourrait faire l'affaire. De quoi? Par la gauche. Mais d'accord. Où? Mais où? Le bon ordre est de gauche à droite. Ah Jupiter, là Mars, d'accord. Le soleil, Vénus et Mercure. Le symbole de Jupiter ressemble à un Z. Attends, comme attends. Zeus. Step by step, please. Je t'en supplie. J'ai pas bien visé un truc qui bougeait pas. C'est pas un Z, ça. C'est ça. Jupiter. Oui, je ressemble à un 3, mec. C'est pas du tout un Z, hein. Jupiter, c'est regarde, c'est littéralement un 3. C'est un bouclier transpercé d'une lance. Une lance, c'est un bouclier. Ouais, c'est ça. Maintenant, Vénus, c'est celui juste à droite du soleil. Alors bon. Excusez-moi. Peut-être faire machieuse, mais est-ce que c'est pas littéralement une énigme où le jeu nous backseat lui-même? À la forme d'un voilà. Juste, je fin de la parenthèse suivante. J'aurais bien aimé devoir trouver un bouquin ou des bouquins avec des trucs. Avec deux serpents entrelacés. Le symbole de Mercure. Choper la crève, bah, apparemment. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai la crève. C'est joué avec la fonde, oui, tout à fait. Notre arme principale, c'est la fonde. Beau travail. Archaïque. On n'est pas à l'époque des portes coulissantes des supermarchés, bro. Toi, tu devrais trouver ça hyper moderne. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Hugo, c'est pas notre frère, c'est un pote. J'ai pas eu dans cet ordre. Ça y est, il commence à me faire peur. Ah si, pardon, j'ai rien dit. Oui, je préfère, hein. Oh, il est là. Magister Vaudin. Vaudin, Magister Vaudin. La fille. Je comprends pourquoi ces brutes sont devenues si calmes. Ah oui, Lucas. L'ordre est zéro temps de réflexion, là. J'ai poussé le délai d'aide au max dans les perfs parce que ça m'a fait souvent. Je n'avais pas vraiment le choix. Pas un choix. Ah, il y a un délai d'aide. Celle de protectrice du porteur. Ah bah, je vais le faire. Une quoi? Une protectrice, ta fonction au sein de l'ordre. Eh oui, je protège Hugo, le porteur. Et tu es Lucas, je suis aussi alchimiste. Un apprenti. Ta magistra, c'est elle que tu te présentes ainsi. Peu importe, la Macula vient de se réveiller. Mon frère a pas j'avoue. Et les rats sont déjà à vos portes. Oui, calme ta colère, on a failli mourir 250 fois en venant ici. Elle pourrait bien te consumer. Prends mon sac. Me consumer, c'est des rats, ouais. Allons voir ce porteur. Cela pète un peu, lui. Sous prétexte, il est trop mystérieux, il a le droit de jouer mystérieux, ça m'énerve. Magister Vaudin. Où est-il? Attendez, je me mute. En haut. Voilà. Comment tu te sens? C'est bon, j'ai toussé un peu. J'ai peur. Toussé au calme, là. Hugo. Voici Magister Vaudin. Bonjour. Je dois commencer immédiatement. Ah ouais, je savais pas, Sam. Je vais regarder alors. Merde, je m'en occupe. Je savais pas qu'il y avait un moyen de jauger le délai de avec laquelle le jeu nous donne des aides. C'est grand blanc, non, mais je suis déjà malade. Arrête. Arrête. Mais stop. Ah, c'est parce que... Punaise, j'aurais pu finir le chapitre. La dernière fois. Bon, chapitre 3. Lucas. Lucas. Dépêche-toi. J'arrive. J'ai entendu Hugo crier. Que se passe-t-il? Il n'a pas bien réagi. Il fait une crise. Quoi? Mère, vous devez arrêter ça. On oui, ne bah, connaît pas cet homme. Amicia, nous avons toujours su que ça pouvait arriver. Et cet homme est un membre éminent. Ah, elle est tellement du pragmatique. Ancien collège d'alchimistes de la Terre. L'ordre connaît la Macula. Hugo n'est pas seul, je suis là.
Il faut trouver de toute urgence de la belladone pour calmer les spasmes. Il y a un herboriste aux abords de cette ville. Il est situé de l'autre côté du quartier des bouchers, à l'orée d'une forêt. Tu verras. Très bien. Je viens avec toi. Ici, je ne serai à rien, de toute façon. Oui, bah, ça sert à rien de dire ça sur le ton de la colère. Hein ? Et voilà, il pleut comme... L'eau du ciel est le reflet de l'eau de mes yeux. Des larmes de mes yeux. Trop métaphorique. Alors, attendez. À fréquence d'aide. Long. Court. Ah, est-ce que je désactive ? Vas-y, je désactive. On verra, on verra. Ah ! Comment ça, le jeu est en anglais maintenant qu'il n'y a plus d'aide ? Tu sais ça ? Les Français, c'est le mode facile ? C'est ça que tu dis, le jeu ? Espèce de... Quoi ? Ça fait n'importe quoi ! Je mets des sous-titres ou pas ? Ça y est, je me fatigue moi-même. You should give Magister Vaudon some time. Du temps ? Oui, c'est vrai, quand j'ai commencé le jeu, c'était tout bain de soleil, tout beau et tout. Je suis trop contente, maintenant je suis malade. Le stream est tout maussade. Il mène des expériences. Mais il sait ce qu'il fait. Personne n'est plus compétent que lui. Oh, ouais. Il traite mon frère comme un animal. Non. Il faut trouver une autre solution. Bah, c'est surtout que bon, le problème des rats, la macula, tout ça. Il a l'air de s'en battre les steaks, le gars. Hein. S'il te plaît. C'est ce que je fais. Il suit sur anglais, faut remettre en français. Oh, mais j'ai eu peur. Ça me fait peur. En fait, le jeu, quand il est en mode facile, il est en français de base, en mode difficile, il est en anglais. Ils sont tous partis. Bon, non, il y a des gens, mais juste ils courent. Pourquoi ils courent ? Parce qu'il pleut, bah oui. Non, mais c'est bon, juste. Qu'ils ont condamné la reine. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Comment ça ? Il y avait cette odeur. Espérons que ça se règle vite. Ah oui, non, la reine. Putain, à chaque fois condamner la reine, c'est pas une reine, c'est la une arène. Ça devrait être par ici. Oh, sans peste. Eh bien. Ouais, ma fourche allongée, ouais. On est sur la bonne voie. Je la vois. Oh, un puits. De l'eau qui mousse. Trop dégueu. Elle a l'air trop dégueu l'eau du puits. Il y avait une odeur là. Bon, tu es prête ? Non ! Oui, allons-y. Faut soulever le petit machin dans le petit bitonio. Le locker. Avec ma voix, je pourrais presque faire le corbeau. Oui, oui, non, mais je considère que quand on se fait pas aider, c'est un peu plus le mode dur. Mais oui, oui, je parle pas du mode facile. J'ai mis en mode normal. Parce que j'ai pas en... Je sais pas. C'est pas un jeu où il faut galérer pour autant. Mais les énigmes... Oh putain, ce plan. Oh, et c'est... C'est beau, hein. C'est bon, il pleut plus. Port du port, à rôtir, à bouillir, le plus savoureux du monde. Ça met l'eau à la bouche, c'est vrai. Ah, n'écoutez pas ce menteur. Donc ça, la Belgique. Ah non, c'est pas chez nous. Non, il y a un taux d'humidité similaire, mais... Voilà les portes de la ville. Nous n'y sommes pas. Mais c'est différent. Et l'état d'Hugo... Bon bah, je suis malade. Chaque seconde. Vite. Ça va bien se passer. Non, 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 les nuages, ils nous disent qu'on va se faire éclater, bro. Moi, je sais lire dans les nuages. I know read into the cloud. I'm reading into the cloud. On y sera bientôt, maman. Laissez-nous passer. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? C'est toujours pas au moment. Je suis toujours aussi... Ouais, mais je comprends.
permis d'entrée pour... T'es toujours bien doué, mais moi non plus. En plus, tu joues à la manette, hein, ce qui fait que la IM va être dégueulasse, mais franchement, ça me permet d'être affalé et j'aime bien. Non. Et comme ça, je fais des jolis mouvements de caméra. Infiltration ardue, j'aime bien. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous nous cachez ? Des gens sont morts ? Et où voulez-vous qu'on aille ? Mais ils savent que c'est à cause des rats ? Non, hein ? Je peux pas passer. J'ai l'impression qu'ils savent pas ici que c'est des rats, le souci. Enfin, qu'ils se font un peu maculer la tronche, quoi. Quoi ? Il y a une ruelle par là. Du vrai ? Ah, je crois que c'était la dame qui me parlait. Attends. Désolé, madame, je vous ai confondu avec un petit garçon. Je m'en vais cordialement, bisous. Oui. Par ici, Amicia. Amicia. J'aime bien ce nom. Ça a l'air sûr. On est chez quelqu'un ? On ne fait que passer. C'est pas mal de parler en anglais en étant malade, je comprends rien. Oui. Déjà que demain c'est chaud. Ah, je vais tout ça, attendez. Ah voilà. Raccourci. Ah oui. Et on ira à bras raccourci. Moi que je rêve. Les déchets des boucheries. Il faut vraiment passer par là. Oh, vous avez vu pire. N'y pense pas, retiens ta respiration. Bon, j'avoue, c'était un peu affreux, mais ce qu'on a vu dans l'arène, pour moi, c'est pire. L'odeur devait être bien pire. Et pourtant, ils en parlaient pas trop. Oh non, me dis pas. Si, j'en ai eu dans la bouche. Je t'ai dit de pas respirer. J'ai paniqué. Oh, Lucas. Chut. Toutes les choses. Ne respire pas. Non, mais en fait, je suis un humain avec des poumons. Pourquoi diable penses-tu à une chose pareille ? Ça m'empêche de perdre l'esprit. Peut-être, mais c'est moi que ça va rendre folle. Tellement c'est seulement une transformation de la j'ai clavier souris. Je pense que c'est vraiment pas là. La manette, j'aurais tellement galéré. J'aurais galéré, pardon, tellement on n'est pas amis, elle et moi. Oh, t'as. En vrai, hein. Je me la pèterais bien, mais il y a un aide. Il y a une aide. À la visée. Oh, la manette. Mes bottes sont fichues. Bon, lève tes bras, que je te les chope. Bon, bof. Pas vraiment. Oh. Ah non, il monte tout seul. Le sol est recouvert de sang. Ah ouais, la musique, tu trouves qu'elle est forte par rapport au dialogue ? Alors. Je l'avais baissé. Oh, cet écran blanc, c'est cruel. Moi, je les entends bien. Mais si vous les entendez pas bien, bah je baisse. Hein. Peut-être qu'il faut que j'augmente le son du jeu pour vous. Dans mon mélangeur de volume. Comme ça, paf. Pif, paf, pouf. Et par contre... voilà. Ça valide ? Parce que je vois pas de bouton valider, ça me vénère. Une charrette qui bloque. Oui. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, des coffres ! Ok, j'ai de quoi crafter. On sort la kiwi ! Alors par contre la touche pour crafter j'ai oublié vu que j'ai joué qu'une seule fois depuis que j'ai le jeu. C'est pas ça. Eh c'est pas ça hein. C'est ça. On doit continuer. J'ai besoin de ton aide. D'accord.
J'aime pas pourquoi est-ce qu'il voulait faire juste la bouchée. Oh les rats! Il fait pas jour. Les rats se répandent déjà. On va encore devoir se frayer un chemin. On va y arriver. Pense à la Belladone, c'est tout ce qui compte. Oui, oui. Ok. Ah ok. Bah, les brasiers sont trop faibles. On peut pas tout faire, hein. Bon. Alors, c'était quoi? C'était ça ou c'était ça? C'est ça. Trop pas. Oh, je fais n'importe quoi. Attendez. Je me rappelle de. Parce qu'il y a mille trucs là de feu, ça me gonfle. Pas facile là. Donc c'est ça. Viens, on les a attirés. Je commençais à m'inquiéter. Je ne peux pas Amicia. Tu commençais juste à t'inquiéter? Tu penses qu'il serait raisonnable de se préparer à envisager de s'inquiéter? Ah, il faut qu'il bouge. Hop là. Ah, décadé. Non, j'aime bien les rats, ce serait trop mes bros en vrai. Moi franchement, je serais comme le petit garçon mais en plus swag. Parce qu'il a vraiment aucun swag. Quoi? Faut que t'aies un swag! Comme une personne qui était début d'après-midi à rendez-vous et manquait un autre pratiquement en même temps, du coup j'ai rappelé et retourné un peu plus tard. J'ai rien compris! Mais j'espère que tu vas bien, petit Ricky, oui. Il y a une charrette qui bloque. J'ai deux rendez-vous, j'en ai manqué un. D'accord. C'était bien ça. C'était pas mal. Comme résumé. Les bénisses! Attends, là c'est Inifugière et Inifugière à la fronde, mais c'est pareil les deux en fait. Oui, c'est la même recette. On doit continuer. J'ai besoin de ton aide. D'accord. Et bah j'espère que t'as pu reporter l'autre. Ça paraît complètement bourré, c'est génial. Oui, quand je suis malade, oui. Bon, en plus, j'ai pas dormi cette nuit parce que j'ai passé mon temps à tousser. Enfin, si, j'ai dû dormir. En vrai, j'abuse. J'ai dû dormir 2 heures. Les rats se répandent déjà. Donc, c'est pas vrai. On va y arriver. Pense à la Belladone, c'est tout ce qui compte. Oui. Mmh. Oui. Tu as entendu? Il y a encore des habitants. Ils n'ont pas évacué les maisons. Bon, attends. Moi je fais ça moi. Même si je fais ça, hop, très loin, ça marche plus. Du coup là faut faire ça, tif ta flic partout. Schwings, slap, slap, bang. Super. Bang, slap. Hop, dans les rats. Moi je m'en vais. Je fais un petit tour. Hop là. Le petit tour c'était pour embrouiller Lucas. Bon, toi.
Ils veulent dévorer cette carcasse, c'est ça? Oui. Ah d'accord, je viens de comprendre, putain. J'avais pas vu la carcasse, désolé. C'est le mauvais. Inifugé comme ça. Même si bon, si je l'inifuge, on va faire chier quoi. Ils ne peuvent pas l'atteindre, ce sac. C'est le même que ceux de la charrette. En fait, tu m'aides toujours énormément, hein. C'est quoi cette poudre? Du salpêtre. Ça sert à conserver la viande, mais c'est assez épais pour étouffer le feu. Bon à savoir. Oui, d'accord. Tu veux pas t'empêcher de ramener ta science tout le temps, toi, en vrai, hein? Personne n'aime ça. Les gens aiment les connaissances humbles. Moi, je suis team humble. Je sais plein de trucs, mais je n'en dis rien. C'est encore du salpêtre, non? Oui, il y en a plein. Si les gens au dehors savaient, leurs familles sont ici. J'attends ma réunion annuelle pourvu qu'elle ne trouve pas le chemin cette année. Ça va être la panique, Lucas. Oui. Ah, cette année, j'avais juste eu le Covid tout début janvier. Même fin décembre, plutôt. Jusqu'à début janvier. Et j'étais pas malade sinon. Salut Marufu. Attendez, je vais tousser. La chope est la morte aussi. Mais ouais, je comprends pas. Comme je disais, hier j'avais la gorge qui me picotait. Mais je pensais que c'était des allergies. Parce que j'avais rien d'autre. À l'est, au cœur, je vivais une bonne vie. Et cette nuit, j'ai commencé à tousser. Bah après le live, j'ai commencé à tousser. J'ai même un peu toussé pendant, je crois, mais je me suis mute. Et là, c'était à des bendades. Je peux la déplacer autrement? Attends, j'arrive pas, mince, j'arrive pas à lâcher. Alors. Ils sont trop foufous, eux. Ils sont trop foufous. Ah, je peux pas passer. Non, je peux pas encore passer. Mais Link, il faut que je fasse un truc avec le salpêtre alors. Mais je peux pas salpêtrer là. Ça veut pas. Ou alors faut que j'aille là-bas. Je fais n'importe quoi, mais je teste. On va me bouffer les gambettes. Je me bouffe pas les gambettes. Ça fera l'affaire. Viens, ne reste pas là. Attends, j'en prends un peu. C'est oui, voilà. Mais ça, je suis d'accord. Alors c'est ça, bon. Tu vois, là, Lucas... Je m'en occupe. Recule. Je m'en occupe, apparemment. Attends, attends, les rats, attends. Hop là. Là, je m'en occupe bien, alors. C'est bon. On continue. Oui, beau travail. J'espère qu'on trouvera l'herboriste dans ce chaos. Il est hors de la ville, non? Il est peut-être réparé. T'as pas besoin de la roue tout le temps. Comment ça? Quand tu vises, tu peux changer munitions avec les flèches directionnelles. Ah ouais? Genre, attends. Oh! Waouh! Oh putain! Mais le jeu, il me l'a pas dit ça! Genre, tous des bébissements. Virginette. Oh, Virginette Covid. La seule pétrière. Mais aller jusqu'à Paris, ça fait loin. Mais normalement, je vais à Paris dans 2 jours. Putain, j'espère vraiment que j'irai mieux. Ah ouais, super, je savais pas non plus. J'ai tout fait avec la roue et la souris. Ah, mais voilà, le jeu nous dit pas. Ah, là j'ai un truc à ramasser, un couteau. Ah oui, cool. Je cherche s'il n'y a pas un autre petit couteau. Je crois que je peux en avoir qu'un de couteau. Alors on s'en va. Il y en a 3 autres ici. Ils se sont pas laissés faire. Oh non, un soldat. Hé hey, quoi? Qu'est-ce que vous fichez là? On ne fait que passer. Personne ne doit sortir. Ce sont les ordres. Attendez, non. Devriez être mort. Il va la lancer. Mais méchant, toi. Ah, j'ai raté.
Voilà. Oh, j'ai trop peur. De tuer un soldat de l'armée de Provence. Oh, si tu savais que c'était pas le premier, bro. Enfin, un soldat, je veux dire. L'armée de n'importe où après, hein. Regarde. Tu sais, hein, à mon niveau, on distingue plus. Ils exécutent la population. Ah ouais. Attends, je me cache. C'est la touche. Il ira pas plus loin. B. Cette vermine est plus efficace que nous. T'es méchant. T'es méchant. Ah, il a un casque. Merde, Lucas. Il a un casque. On devrait se rendre et lui donner des infos sur tout ce qu'on sait. Certains pour préparer de l'extinguis. Ça devrait suffire pour éteindre la torche. Mais enfin, nous sommes français. Devons donner des informations. Attends, faut que je fasse quoi? Extinguish. Bah, il désormais fabriquer des trucs. Oh, j'ai pas vu la touche. Hein? C'est fait. Maintenant, lance-le sur la torche pour merde. Ah ouais, putain, t'es trop malin, bro. Tiens! Je t'ai achevé! Je m'en fous. Lucas, je l'ai achevé. Choquant. Oui. Et je devrais peut-être le refaire. En tout cas, merci. Tu vois, elle envisage tout de suite de recommencer. Hein. Voilà, mentalité. Bah, j'ai pas avancé, moi, là, si. Bah, je peux rallumer après. Hein. Non, mais je fais n'importe quoi! Et là, ils sont trop deck parce qu'ils voulaient manger au calme, hein, puis ils mangent plus au calme. Mais il y a de la lumière! N'importe quoi, il y a trop de la lumière. Mais. Il y en a trois autres ici. Ils se sont pas laissés faire. Un soldat. Attends. Qu'est-ce que vous fichez là? On ne fait que passer. Personne ne doit sortir. Ce sont les ordres. Attendez, non! Vous devriez être mort. Il va la lancer. Amicia. Oh Seigneur. J'arrive pas à l'avoir du premier coup, le temps de charger ma fronde. L'armée de Provence. Je sais. Pourquoi nous a-t-il attaqué? Regarde. Il tue les habitants. Ils exécutent la population. Hey, reviens ici, revois. Attention. Non. Mais lâchez-moi. Ah, il m'a pas donné le plan. Donne-moi le plan. Il ira pas plus loin. Cette vermine est plus efficace que nous. Il nous tuera sans hésiter. Donne-moi du salpêtre. Hugo a besoin de cette pélatone et vite. Donne-moi du salpêtre. Écoute. Donne-moi du salpêtre. Certains pour préparer de l'extinguis. Ça devrait suffire pour éteindre la torche. Donne-moi du salpêtre. Merci. Extinguis, d'accord. Ouais, Expelliarmus. Machin quoi. Alors. C'est fait. Maintenant lance-le sur la torche. Pour... Tu sais. Je sais. Crève cette bête. Bon. Ça a marché. J'ai pensé à moins de passer une séquence semi-scriptée. Si tu dois refaire une zone, ça doit être pareil sur. Avec une manette. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y a pas une cinématique, je crois. Alors je sais pas si je peux. Enfin, moi je pense que tu mens. Alors. Mais comment les rails passent là s'il y a... Ah, les bâtards. Oh non. Je peux pas passer par là. Non, c'est vrai, je suis... Dégage, Lucas. Mais moi, je vais garder mes compos pour pouvoir les accumuler dans mes poches et jamais les utiliser. C'est comme ça que je joue. Ah, merde. J'en ai plus? Bah, j'en avais 4.
C'est compliqué là. Je fais n'importe quoi. Comment ça, j'ai plus de peau. Mais faut que je trouve un pot. Oh, et puis va debout, hein. Mais n'importe quoi, vous dites des sottises. Attendez, je cherche une astuce. Hop là. Je vais les tuer un par un. À fond, ils font moins les malins. Y'a pas de soucis, j'ai toute la nuit devant moi. Confort réel. Est-ce qu'il y a une torche ou un truc à casser? J'ai plus de peau. Surtout que je peux pas retourner où j'étais avant pour essayer d'en trouver. Je vais dire d'en chouraver. Et je l'ai pas dit. Lucas, va dans les rats. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Et non, tout à fait, les cailloux étaient pas éliminés dans le premier. Étaient pas éliminés? J'ai dit illimité. Étaient pas illimités dans le premier. Tout à fait. Du coup, là, j'avoue, je me fais plaisir de vous. Il y a un truc dans la main. Bon bah tant pis. Hein. YOLO. Faut pas que je gâche mon pot. J'en ai qu'un. J'en ai pas beaucoup. Il y en a trois autres ici. Ils se sont pas laissés faire. Un soldat. Hé hey, qu'est-ce que vous fichez là? On ne fait que passer. Personne ne doit sortir. Ce sont les ordres. Attendez, non. Vous devriez être mort. Il va la lancer. Amicia. Oh Seigneur. C'était moi une. Tu viens de tuer un soldat de l'armée de Provence. Je sais. Pourquoi nous a-t-il attaqué? Regarde. Il tue les habitants. Ils exécutent la population. Hey, reviens ici, enfoiré. Il ira pas plus loin. Cette vermine est plus efficace que nous. Il nous tuera sans hésiter s'il nous voit. C'est eux ou nous maintenant. Hugo a besoin de cette belladone et vite. Tu as sûrement raison. Écoute, tu peux utiliser ce salpêtre contre eux. Donne-moi ton salpêtre. Extinguis, ça devrait suffire pour éteindre la torche. Extinguis, d'accord. C'est fait. Maintenant lance-le sur la torche pour. Ça a marché. On l'a déjà fait par le passé, mais c'est toujours choquant. Oui. Et je devrais peut-être le refaire. En tout cas, merci. Mais par contre, ça veut dire que je peux pas récupérer le truc qui est là-bas? Ah, peut-être au retour. Restez là gentiment. Laisse-toi, voilà un autre. Plus on a de cadavres dans les rues, plus les rats rappelés. Merde. Pas question d'ouvrir ces portes, je sais ce qu'il y a derrière. Laissez-nous sortir! Les rats arrivent! La ferme! C'est quoi ça? Ils ne l'ont pas volé. Pas le temps de s'apitoyer. Hugo compte sur nous. Et là, ils m'attaquent pas! Alors tout à l'heure, il y avait un rayon de soleil là-bas, ils vont tous attaquer ces petits bâtards, et là, ils m'attaquent plus, ça me dégoûte. Attendez. Ça veut dire que maintenant là je peux y aller. Alors attendez, par contre non mais c'est ridicule. Le fait d'avoir allumé la torche c'est censé les empêcher de passer parce que c'est pile poil presque dans l'entrée du truc. Et là non, c'est le fait de l'avoir éteint vu que ça les attire que... Enfin bref, on va.
T'attaques pas quand il bouffe le corps. Oui, mais il y avait de la lumière qui était censée les empêcher de passer. C'est encore plus logique. Merde. N'oubliez pas de marquer d'une croix les maisons visitées. Est-ce qu'il mange le smec? Faut impérativement évacuer les cadavres. Ouh, mange mon smec. Éloignez les corps. Les rats suivront. C'est complètement stupide. Ah pardon, pardon. Il se passe quelque chose. Je vais voir. Alors. Non. Rigoler. Je me marrais, moi, je suis comme ça, moi. Je crois que c'est fini pour toi. Oh merde! Non, je veux pas utiliser mon couteau. La lumière est disperse. Ouais, mais là, je suis pas d'accord. C'est complètement stupide. Tu l'es. Enfin. Les, éloigner les corps, c'est bien après. Faut pas que ce soit stupide, hein, mais. Et laissez vos dents derrière nous. Pourquoi, Amicia? Pour une île vue en rêve. Un rêve qu'il fait depuis des semaines. On pourrait juste brûler tout le quartier. Pour finir une bonne fois pour toutes. Tout armé et prendre un zéro. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est du salpêtre. Ce claque, ça me dit rien qui vaille. Ça va éteindre son truc, éteindre sa torche. C'est quoi cette fumée? Attends. J'apprends. Deux fois. Vas-y petit rat, tu peux y arriver. Allez, vas-y. Oh, mais t'es tout nul. Oh, t'es tout nul. N'importe quoi, hein. Eh, t'es un peu nul, hein. N'importe quoi. Et je me tire. Ah, faut se dépêcher par contre, hein. Prendre de petits cancros là, là. J'avais pas besoin de faire ça en vrai. J'avais zéro besoin de faire ça. Hop là. Allez maintenant Lucas, il est temps de te sacrifier. Ça fera un beau, une belle scène. Ah bon. Alors si je prends ça là-bas. Ouais c'est bon, c'était RKL. Si je prends ça là-bas, j'économise des ressources. Un truc que j'adore, économiser des ressources.
clairement à l'économie de temps et d'argent qui n'a aucun intérêt. Alors. Voilà, ça c'est fait. Aïe, Didi. Maintenant, je vais l'eau. Qu'est-ce que c'est, ça brille? Oh, il est beau ce corps! Il a plein de draps. Je pourrais améliorer mon équipement avec un établi. Les nouvelles du comte, des soldats. Non. Vraiment ? Il a placé la ville sous l'autorité de la bête. La bête ? Ça explique le carnage. Non, c'est juste éclaté. Regardez, on voit plein de dieux là-bas, c'est trop mignon ! Un nuage d'extinguis peut éteindre plusieurs torches. Ah ouais, vas-y, fais un nuage, mec. Ça peut marcher. Qu'est-ce que tu fabriques ? Vas-y, vas-y, les rappeurs sont déjà passés. Ils ont peut-être oublié des trucs. Oups. J'y rêve, mon gars. Dans vos gueules, distinguis. On a déjà perdu assez de temps à cause de... Viens, ils ont fermé la herse. L'extinguis les a éteints. Waouh. Comment ça, vous me voyez plus? Je suis plus en live. Vraiment? Ah, ça va, ça va. Non mais en fait j'imaginais mon perso avec des lunettes noires comme dans les mêmes comme dans la police là. Un smack et ça repart. Pardon, je me suis pas le temps de me mettre. Bon, j'y vais. Fermé. J'espère qu'Hugo tient le coup. C'est dur à entendre, mais il a connu bien pire. Il faut que ça cesse. Putain, trop faire, c'est vraiment là que je vais s'étouffer. Mais oui, c'est. Ah mince, j'ai commencé à essayer de spammer. Non, non, non. Il n'y a pas de frein là-dessus. On va devoir courir. Ah, c'est chaud, non? C'est ça. Lâche mon signal. Maintenant. J'arrive. Allez, plus vite. Regarde! Pas de rats! Ils se sont arrêtés au mur de la ville. Ils se fichent des murs. C'est à manger qu'ils veulent. Je ne vois pas de soldats non plus. Parce qu'ils ont été mangés. Dans le laboratoire de Vaudin, il y avait une fresque représentant une île. Je l'ai vue, Lucas! Que dis-tu de ça? Vaudin, c'est forcément quelque chose. D'accord, d'accord. Je tenterai de demander. Merci. Non, mais faut qu'on le retrouve en fait. Vous voyez mais pas que c'est l'apocalypse que vivait à l'orée d'une forêt. Et que vous avez pas de smartphone. Quel silence. C'est chaud. C'est étrange. Il y avait des gens putain, ici c'est récemment. Chaud. Pas de sang, ni de traces de lutte. J'analyse la végétalisation. Oh, un établi, oui, je vais pouvoir améliorer. Hey, oui. Il y a un établi là. Tu peux t'en servir pour améliorer ton équipement. Tu devrais y jeter un œil. En fait, j'avais compris, mec. Pas obligé de m'aider là où je sais. Prends d'alchimie. Ah tiens. Ajoute une nouvelle poche à son équipement. La messie peut porter. Allô. Voilà. Des munitions alchimiques supplémentaires. Un nouvel anneau à sa ceinture pour ma mission de porter une genre. Putain, j'ai plus de genre. Un outil de recyclage qui permet de casser déjà.
J'ai cassé légère les taux, les pyrites et les carreaux en pièces. Yamicia n'a plus de place. Ah, mais du coup, genre, en pièces de quoi? Qu'est-ce que j'en fous des pièces? C'est con, hein? Je mets la jarre. Je peux pas mettre la jarre. Du coup, je mets ça. C'est mieux. Ça m'aidera bien. Il y a un event PvE, je crois, sur Overwatch. Ah ouais, il y en a normalement chaque année pour l'Halloween. On peut y aller? Oui, on sort. Il y en avait certains qui étaient rigolos. Avec Dr. Frankenstein et tout ça, qui était Junkrat. La sorcière, machin. Ou c'était un enchaînement un peu comme si on devait tuer des boss. C'était incroyable, mais c'était sympathique. Bon bah je vais descendre. Pardon. Oh, il y a un cadavre là. Les rats? Non. Tu vois? Poignardé. On prend avec Amicia. Les soldats sans doute. Enfin là c'est full gratos quand même. Ils sont descendus, on poignardé, ils sont partis. Putain, quelle bande de grudes, hein. Oh, désolé, je mâche plus mes mots, là. Hein. C'est pas vrai. Les rats, ils sont là aussi. Je te l'ai dit, ils se moquent bien des murs. Oui, il y a deux autres trucs. Ah oui, t'as raison, oui. Sam, je regarderai. Mais là, je pouvais en faire qu'un, de toute façon. Mais, on ne sait pas où ils s'arrêtent. Mais oui, t'as raison. L'arbre de compétences auto? Ah ouais, il y a ça? Putain! Abracadabra! T'es bon, toi? Toi? T'es super bon. Imaginez Denis qui pointe du doigt. Arrête, arrête, arrête! Tu connais? Non! Chiant! Attends, 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 attends. Attends. Je ne m'y attendais pas. Bah moi non plus, je fais nawak. Pourriture. Je crois qu'on n'a pas fini d'en croiser. Ça doit s'arrêter. Crève, pourriture provinciale. Tiens, un bâton. Toi? Toi, ça va partir, hein. Et toi, tu as vu celle-là? Et toi, tu... Et formé chez les meilleurs des meilleurs des meilleurs. C'est le docteur le meilleur. Après PC et manette c'est la même chose, hein, petit Sam. Tu vas prendre une tatane. Non mais je suis pas concentrée. Arrête de m'embêter à faire ma vie, c'est chiant, hein, je suis pas concentrée et tout. Je peux mettre le feu à mon bâton. Si, comme ça. C'était simple en fait. J'ai mis le feu à mon bâton. Cette fichue belladone. La bella bella belladone. Je sais que c'est l'enfer. Il faut quand même ranger les courses. Il se croit en guerre. Une guerre perdue d'avance. Oh là là, dis donc.
Même si elle a l'âge où elle devrait s'envoyer en l'air dans la paille. Et tu sais, elle escorte des gosses au milieu des rats, chaîne de vie. Ah mais ça c'est parce que Amicia c'est une caille mec, elle met des coups de tête, elle fume, elle boit, elle se la pète, elle est dingue, elle est raide, elle est pas nette, elle met des balayettes, c'est Amicia! Vous bougez pas de là, vous m'entendez? Non, je bouge un peu. Attention. Ah j'ai plus de... Plus de souffle, mec. Je vais te la prendre, la tatane. Wow. Oh, l'autre. Ah non, où l'autre? J'ai dit... Ça dit les mots, ça dit les mots, j'aurais pas aimé. Je fais n'importe quoi. Mais je sais pas. Je me pose la question tous les matins. Tu fais les cœurs. Pardon. Non, j'ai pas envie de gâcher mon couteau. Je veux essayer de faire un filtre normalement. Ah non, l'écran blanc, ça m'a tué deux fois. Je vois plus rien en fait. Buddy, you take into the lightner. Une guerre perdue d'avance. Un filtre à café. Ça protège ça. Attends, je fais quoi là déjà? Ah, je m'infiltre. Attendez. J'ai un moment d'absence. Je pense que ce que je vais faire. Vous bougez pas de là, vous m'entendez? Je pense que ce que je vais faire. C'est déjà des petits bâtons, des petits bouts de bois. Super. Super. Connard. Ensuite, je vais prendre un bout de bois et je vais te tataner. Non, je... Juste pour la blague. Mais non, mais j'arrivais pas à m'accroupir avec la torche, je pensais que c'était pas possible. Arrêtez de me juger. Confiez jamais des gosses à cette meuf-là. Je vais tataner. Bon, hop. T'entends, hein. C'est tentant. Hein. Je sais plus quelle émotion, regarde. Retour. Toi, je vais te soulever. Après, si je marche pile poil derrière lui, techniquement, il est ok. Sont des salopes. Putain, ta gueule. Et je peux pas m'accroupir. Là, j'avoue, c'est la panique. C'est possible que j'ai un peu paniqué. Dans la lumière. Rappeleur, vous prenez
J'ai un peu paniqué là. Ça s'appelle du. J'ai un peu paniqué. Non mais sans. Mais sans souffre là. Tout ça pour économiser trois composants. Tu peux pas comprendre. Je savais que tous ces rats c'était pas normal. Attendez, attendez. Je vais le soulever lui. Tu m'as dit combien de fois j'en voyais dans les rats par pur plaisir, j'avoue. Mais c'est très drôle en fait de faire ça. C'est vraiment très drôle. Hop là, je vais tester un truc là. Non, ça torche, ça grimpe pas, ça me dégoûte. Oui, c'est bizarre ce que je viens de dire, mais en vrai, ça passe. Oh, il s'est cul là. Comment il a fait? J'arrête, j'arrête. Allez, c'est bon. J'économise plus mes composants, ça va, ça va. Dishonored, oui. Non, mais là, je veux faire de l'infiltration normale. Bah, t'as dû boire, là, de ouf. Ouais, un petit peu, ouais. Oh, ça dégoûte. Des os. Mais là, j'avoue que j'ai du mal à boire doucement. Une guerre contre l'ignorance. Après, en vrai, si je fais en full infiltration, faut que je trouve une autre technique. Hein. Ça va être vraiment. Je vais tester un truc, attendez. J'ai testé un truc de dingue un peu. Un truc de psychopathe. Non, je voulais le suivre, je suis sûr que ça aurait pu marcher. Si le jeu l'avait bien voulu. Le jeu veut pas. Ok, là je fais normal, promis. Aïe aïe aïe. Atteindre la forêt. Good to the forest. D'ailleurs j'ai appris que les jeux comme Dishonored ça s'appelait... Interactive Sim je crois. C'est le nom de ces types de jeux. Tourne-toi, wesh. Pourquoi vous êtes si agressif? Ouais, vous pensez pas qu'on peut s'infiltrer tout le temps? D'accord, d'accord, d'accord. Cette technique n'est pas la meilleure. Bah alors Hugo, on se fait mordre des orteils? Loser. Regarde là-bas. Eh mec, regarde là-bas. Eh. Vas-y, truc là-bas. Vous bougez pas de là, vous m'entendez? Je peux pas atteindre pour faire ding. Ça marche pas. J'ai toujours dû me débarrasser de moi ou deux ennemis. Ah ouais, tu penses? Ah. Ouais, c'est possible en vrai. C'est vraiment une super idée. C'est Lucas pas Hugo. Oh, c'est pareil. Bon bah c'est pas grave, allez. Let's go.
grands mots. Les gros mots. Il se croit en guerre. On est nul. Une guerre perdue d'avance. Oui, puis en vrai, fais pas comme si tout était prévu, meuf. Accroupis-toi! Mais je peux pas m'accroupir, regardez! Ça dégoûte, en fait. Pourquoi je passe là, moi? Mais là, je comprends pas. Hein. J'ai pu y aller sans problème, et puis là, tout d'un coup, il me bute. Parfois, je comprends pas. Il est mort et remort. Oui, j'avoue. Il y a rien qui va dans la technique ni dans la mort. Sois pas jaloux de mon skill, mec. C'est moche. Ça rend laid, la jalousie. Je veux pas être laid, quand même. Aussi bien que le premier, bah franchement ouais. Je vois pas de défaut majeur, il y a peut-être pas la surprise du premier, enfin bon tout le reste est là. Hein. Économie d'énergie. Bon je peux pas y aller là. Hein. Il y a un méchant là. Tu savais que tous ces rats n'étaient pas normal. T'es un putain de génie, toi. Ah mais j'en avais en fait du soufre. J'ai rien dit. C'est moi, je suis chelou. Mais... Oh ça me gonfle. Vous voulez une jambe dévorée ? Quelqu'un. Bouffe mon smec. Pardon. Oh, dis donc. Oh, il me saoule ce coffre. Allez, je vais par là. Ils ont tué des gens. Non. Dans une église. Pas les finir. Peggy 18. Une torche qui s'allume toute seule? Non. Ce serait trop bizarre. Quelque chose a bougé. On doit se cacher. Attends, je fais les trucs. C'est chaud. Hop là, je le regarde mourir. Parce que je galère à m'accroupir. T'as vu un peu, c'est ça le swag, Lucas. On ira là-bas plus tard, quand je saurai pourquoi j'y vais. Arrêtez! C'est chiant. Oh, il y a des méchants. Je suis accroupi, ça va. Accroupi dans la lumière. Ça passe au calme. C'est l'herboriste. Oh, il a l'air remonté. Ouh. On lui veut faire un truc longueur, lui.
Les vénères de terre. Non mais n'y retourne pas, Lucas. Il faut faire quelque chose. Ils sont encerclés par les rats. Ah, je me gosse. Ok, il est beaucoup trop pacifiste par moment. Oui, il est beaucoup trop passif aussi. De faire des pipi. Non, c'était rien. J'ai dû rêver. Ils sont partis. Ah non, il m'a vu, putain. J'ai tout fait quoi. C'est méchant. J'ai plus de poignard. Ah. Bah après c'est un enfant, Lucas. Ouais bon je confonds. En même temps pourquoi on fait équipe? On fait toujours équipe avec des mineurs en petits garçons. Hein pourquoi? Oui. On va s'infiltrer doucement, step by step. Coucou ici, coucou. Comment tu vas? Petit Booba. Enfin ou un toc? Attendez. Et tout à l'heure, j'ai parlé au pareil ce diffuseur comme si c'était la tanière de Booba, je me rends compte. Désolé. Dans cet état. Me calmer. Ces monstres ne font qu'aggraver les souffrances d'Hugo. Oh, ça me fatigue. Info ou intox, la littérature a été une discipline olympique. Olympique, sa mère. C'est moi qui dis sa mère. Il veut pas écrire. Il commence à avoir mal au crâne.
pensais pas que je pouvais passer ici. Ouais, j'ai de l'alcool. Alors ça, ça me ravit. Non, non, non. Mais je sais même pas ce qui s'est passé, putain. Alors, info ou intox, la littérature a été une discipline olympique. Pourquoi vous étiez agressif ? C'est vrai ça. Pas nécessaire. Un dossier, j'ai tout besoin, on devrait. 23. Ajouter mon pote Jim. Et tu vois nos péripéties. Pas trop bien ! Moi aussi j'avais commencé. J'avais fait genre 3 lignes. D'ailleurs, je serai pas là pendant une partie de la semaine après. Demain, j'y serai là, mais mais pas le reste de la semaine. Je vais un peu à Paris. Je connais pas Jim. Ben alors, vous aimez pas la lumière ? Ce n'est pas l'œuvre des rats. C'est vous, vous les c'est vous. Je veux voir mon épouse. Écoutez, j'ai eu une longue journée et mon épée est encore tiède. Alors... Il faut faire quelque chose. Ils sont encerclés par les rats. Vous voulez mon aide? Ha! Vous êtes déjà tous condamnés. Écoute, l'herboriste, si tu la fermes pas, vous tomberez bientôt malade. Et je vous regarderai mourir en riant. Arrête! À genoux, tout de suite. Il va l'exécuter. Ah oui, putain, attends. Bah deux secondes. À toi de te mettre à genoux si tu veux mon aide. Toi à genoux, ouais. Mais la donne, Lucas. C'est fichu. Pas encore. Je sais à quoi elle ressemble. On peut y arriver. Il faut juste trouver l'atelier de l'herboriste. Essaie de te calmer. Tu ne feras rien de bon dans cet état. Me calmer? Ces monstres ne font qu'aggraver les souffrances d'Hugo. Attends, j'ai pas de plan. Attends. Merde. Ah! J'ai essayé des trucs. Jim Perry, je pense qu'il est venu une fois en Burma avec nous et Dieu. Peut-être. Je connaissais pas les noms à l'époque. Je connais toujours pas. C'est un scandale. Où est ma femme? C'est l'herboriste. Que faites-vous à mes plantes? Les docteurs et les malades, ils en ont tous besoin. Justement, on a besoin de vous et de vos plantes. Silence. Vous avez envie de me croquer, hein? Hein? C'est cadavre. Oublions ça. Je connaissais ces gens. Vous les regardez pas si ça vous chagrine. Ce n'est pas l'œuvre des rats. Non. Non mais il est couillon, regardez, il se tue tout seul. Peut-être. Oh mais c'est qui est couillon? C'est affreux d'être... Attends, Lucas. C'est fichu. Pas encore. Je sais à quoi elle ressemble. On peut y arriver. Il faut juste trouver l'atelier de l'herboriste. Tu dois te contrôler. Tu ne feras rien de bon dans cette... Et merde. Non mais je gâche des trucs là, je voulais juste le tuer. Mais je vous aurai. Bougez-vous, on a des intrus. J'essaie de changer mais j'y arrive pas. Ils se cachent dans l'herbe, je vais les chercher.
Mais putain, ça m'énerve, j'arrive pas avec les touches là, je galère depuis 5 minutes. Je vais le laisser me taper. Poupa, mon petit ourson, tu roules, tu glisses sur la planche, planche neige. C'est ça? Moi je pense que c'est ça le scénar. C'est agressif ça, hein. Exactement ça. Ouais, Griffy. Oh, ça me saoule. Oh, ça me saoule. Je crois que les trois, c'est une question de survie. Attends, il a... Ouais. C'est... Ça va, c'est gentillé. Genre, il a juste dit qu'il avait la musique en tête et après il l'a écrit. Sur les dents un peu, hein. Attends, mais putain, j'ai pas le temps. Je veux changer de munition, ça me saoule. Attends. Voilà. Ça me saoule là. C'est un scandale. Oui, ma femme. C'est l'herboriste. Je savais que tous ces rats, c'était pas normal. C'est vraiment ce genre de truc innocemment. Oui, alors. C'est pour rigoler, hein. Et puis, s'il suffit d'écrire les paroles d'une chanson pour que tu bloques, c'est peut-être que t'es un peu sur les dents quand même. Connaissez ces gens. Les regardez pas si ça vous chagrine. Ce n'est pas l'œuvre des rats. Quelque chose. Ils sont encerclés par les rats. Oh non, ça peut marcher. Je t'ai écouté. On m'a saoulé là. Du coup, j'ai envie d'écouter la musique de Bubble Petit Ourson. Vu que je connais pas, j'ai un manque cruel de paroles. Mais il y a toujours un faisceau de rat qui me saoule. Tu me saoules, faisceau de rat. Mais je rate tout, merde! Je connais pas le reste des paroles! J'ai trop envie de la connaître maintenant! Trop de suspense! Attends. Attends. Ça sert plus à rien ici. Vous pourrez pas vous regarder, qui tu peux courir, mais tu peux pas te cacher. Bien joué, Callaghan. Bah, c'est de ta faute, hein. Si t'avais pas autant flippé pour des paroles de chansons, ça m'aurait pas autant intrigué. Mais moi, j'aime bien ces chansons-là. Comme Baby Shark, hein. J'aime bien, moi.
Oh, ça me saoule, je vais me buter. J'étais presque, mais non. Tu dis que blanche, blanche neige. Booba, booba. Fais bien attention. Ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Oh, ça me fait penser au trois petits chats. Un, deux, trois petits chats. Trois vilains petits flippons. L'autre nuit, sans un bruit, sont entrés dans ma maison. Je sais même pas où je l'ai. Sont allés dans la cuisine. En fait, je dois juste aller là, c'est ça. On renversé la farine. Ça a pas marché? Si. Ils se sont roulés dedans et sont ressortis. Tout blanc. Un, deux, trois petits chats. J'ai plus la touche. Trois vilains petits fripons. L'autre nuit, sans un bruit, sont entrés dans ma maison. Bon, par contre, en fait, je suis en galère ici. Bon, je suis rien du tout, moi. Voilà. Ici, je suis caché, mais vraiment au max. Là. Ils vont me bouffer. Fausse alerte. Je connais pas du tout ces chaussons. Bah, Booba, je connais pas. Oh, le petit ours brun là. Mais un trop petit chat, c'est dans Adibou. C'était trop bien. Ouais, ça vient de quoi, Booba, le petit ourson? Tu trembles. Ce n'est rien. Attends. Merde. Bon, c'est pas bon. Je vais chercher d'autres trucs. Un dessin animé, d'accord. Et bah, je suis sûre qu'il était génial. J'étais tout petit. Moi. Je suis sûre qu'il était super, ce dessin animé. Moi, je suis sûre que c'était même le meilleur. Bon, j'ai pu prendre un peu de matos avant. Sur Antenne 2, il me semble. Ouais, d'accord. Moi, je suis l'époque de Tefou. Tefou.fr. Non, Minicum quand j'étais vraiment petite. Et après, d'autres trucs. L'atelier de l'herboriste doit être par là. Oui, il faut continuer. Ah, ils l'ont verrouillé. Reste calme. C'est un vieux mur. Il doit y avoir un autre moyen. Booba le son jusqu'à sa sœur, il y avait des Indiens. D'accord. Ça semble très logique tout ça. Ils ont dit quoi? Allez, suis-moi. Je me souviens pas des dessins animés de mon enfance. Oh bah on a plein que j'ai oublié. Traduction, c'est moi qui t'ai fait. Dis-moi, Camilla. Nous sommes chez l'herboriste. Il faut chercher. Dis-moi à quoi ressemble la belladone. Cherche une fleur violette, en forme d'étoile. Étoile violette. Je peux venir? Je peux rentrer? Bon, bah non. Oh,
Oh, excusez-moi, je suis un petit peu dur. Pas la bonne forme. Ce n'est pas grave. Continue de chercher. Oui, continue de chercher, arrête de couiner, meuf. Oh, je parie qu'on va avoir un lac. Bon, presque. La fleuriste, la femme de l'herboriste. Ils l'ont tué. Oh non. Les salauds. Elle était si gentille. Mais Snorky, pareil, j'ai pas. Là-haut, tu crois que je t'ai pas vu, toi ? Petite coquinette, va. Je sais pas pourquoi ça veut pas faire le truc. Oh bah enfin ! Je connais celle-là. Camomille. Oh, une belle plante. Très utile. Oui. Mère nous en donnait toujours quand on avait mal au ventre. C'était ce qui pouvait nous arriver de pire à l'époque. J'étais à la collection du goût camomille. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'en fait je trouve des camomilles partout. Je croyais que c'était plusieurs plantes différentes. Et bah non, c'est que des camomilles. Hein. Elle est là, t'es des petites lavandes. Non, c'est pas ça. Oh, il est pas ici, Lucas. Je sais. Allons dans la maison. Oui. Ah oui, voilà. Être là-bas. Bah disons que. Malin quoi. Oh, c'est une blague. Il y a que de la camelote. Oh, ça ne mène à rien. Et je suis attends. Là au lieu d'être à ses côtés. Comment on va retourner là-bas? Hey, t'arrêtes de couiner un peu là. Cette personne. Tu me stresses. Bah ben, voilà. On est repéré à cause de tes jérémiades. Espèce de jérémieuse. Mimi jérémieuse. Waouh, il a de la... Il avait du brillant dans les cheveux. C'est une fois la vie. La vie. Ils vont entrer. Batman, il me rappelle un peu, ouais. Il me rappelle un peu de sa cartoon aussi. Quoi? T'as pas l'air bien. Mais si. Non, pas du tout. T'arrives même plus à respirer. J'ai le vertige. Mon cœur s'emballe. Je sais. Ouais, moi aussi, je suis malade. Écoute, les soldats vont emporter tout ce qu'il y a ici. Je dois récupérer la belladone avant eux. Il le faut. Non. Tu ne peux rien faire dans cet état. Pourquoi elle est pas bien? J'y vais. Je serai discret, ça ira. Mais je me rappelle plus, j'ai pas regardé la suite, si j'ai pas regardé. Alors je m'enfuirai. Ce ne sera pas la première fois. Je suis vraiment en empathie avec toi, c'est fou. C'est vrai. Lucas a mis du pento. Ça luisait. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal au dos quand je respire. Je pense que c'est au poumon du coup. Je respire fort. Est-ce qu'il est arrivé ou est-ce qu'il n'y est pas arrivé? Arrêtez! Aidez-moi! Oh non! Je le savais! D'accord. Vas-y, vite! Allez! Attention! On vient d'attraper un pillard! Il y en a peut-être d'autres! Campez les tous, les intrus. Déployez-vous, soldats, sur vos gardes. Imbécile. Pourquoi l'as-tu laissé y aller seul? Arrête d'être faible. Arrête d'avoir peur. Vas-y, va le stopper. Ne te retiens plus. Stoppe-le. Quoi qu'il en coûte. Calme-toi. Hein? Elle part. C'est pas possible. Ils sont où? Vous aurez quand même. Je sais que vous êtes dans le coin. Montrez-vous. J'ai aucune idée d'où il est.
Mais il y a un coffre. Je peux te tuer. Joute le coffre. J'ai voulu voir si le jeu allait... Enfin bref, non. Mais j'ai testé. Moi c'est normal, je suis une aventurière du gaming. Je teste. Normal, hein. Y'a personne. Y'a quelqu'un. Attends. Franchement, on va se calmer deux petites secondes. Je vais faire ça mieux. Les écrans blancs! Putain, je suis déjà malade! J'ai pas envie d'être aveugle en plus! Qu'est-ce que c'était que ça? Saoulé, ça? Y'a air, bro. Je perds mon temps ici. Pas pu aller loin. Il s'en lève pas, lui. Il se relève pas, lui. J'aime bien cette, cette question. Espèce de troll, va. Arrête de me faire des blagues. J'ai entendu l'oc hurler, pourtant je suis loin du casque. Comment ça, j'ai hurlé? Moi je hurle jamais. Je devrais chercher ailleurs. Jamais hurlé de ma vie, je pense. Jamais élevé à la voix en fait. Déjà, je parle à peine. Ah oui, d'accord. C'était parfait. Genre, c'était beaucoup trop parfait. Parfait timing, mais oui, je voyais pas, ça me saoule. Attendez un peu que je vous trouve. Pom, ti pom, ti pom, ti porora pom. Yes.
t'en fais du mal? Je m'en remettrai. Merci. Celui-là a compris la leçon. Ouais. Trop compris. Oublie ce soldat. J'ai trouvé la Belladone. Il faut qu'on parte. J'ai entendu des cris dans la grotte. Ils arrivent. Va te cacher. Je m'occupe d'eux. Non. On a ce qu'on voulait. Partons d'ici. Non. Ils vont nous suivre. Et j'en ai assez de fuir. Un homme à terre. Il y a déjà un truc. Alerte. C'est ça. Venez. Je vous attends. Oui. Oui. Là. Tiens, prends ça. Tu vois. Bim. Aucune raison d'avoir. Visée auto. Missia, qu'est-ce que tu fais? On doit partir. Je pète un câble, bro. Je suis fatiguée d'avoir peur. Je suis fatiguée. Je vais te montrer que c'est terminé. Défie-toi. Viens, j'ai quelque chose pour toi. Il y a un bouclier. Attention. On abattre. Alors, ça te plaît, hein? Quand tu trouves à qui parler. Ils sont trop nombreux. Il faut qu'on parte, vite. Pars si tu veux. C'est mon territoire maintenant. Je vais pisser partout. Mourir. Merde, j'ai essayé de viser à côté, j'ai pas réussi. Je voulais viser le truc pour que ça fasse pfff. Et ça aurait fait pfff. Et ça aurait eu dans la tête et puis j'avais fait une séquence qui là. Comment je m'appelle? Pars si tu veux, c'est mon territoire maintenant. Ils vont tous mourir. Je t'aurai. Ah oui, viens alors. Montre-moi comment tu m'appelles. C'est tout ce que vous avez. Allez! Oh, arrêtez ça. On va mourir ici. Tu te trompes. Tu as peur. Cette peur, tu dois l'instiller chez eux. Oui, suis-moi. Elle est super forte à la fronde quand même. J'ai fait la fronde. Merde, c'est trop épique. Ah, ils sont gentils quand même. Mais je vais m'en taper tout à chaque fois. Pardon. Un homme à terre. Il y a déjà un truc. Alerte. C'est ça. Venez. Je vous attends. Tiens, prends ça. Tu vois, dis-moi que rien. Aucune raison d'avoir peur. Amicia, qu'est-ce que tu fais? On doit partir. Non. Je suis fatiguée d'avoir peur. Qu'est-ce que je vais leur montrer que c'est terminé. Défie-toi. Viens. J'ai quelque chose pour toi. Il y a un bouclier. Attention. Alors, ça te plaît, hein? Quand tu trouves à qui parler? Ils sont trop nombreux! Il faut qu'on parte, vite! Pars si tu veux! C'est mon territoire maintenant! Ils vont tous mourir! Je t'aurai! Tu es mort! Ah oui? Viens alors! Montre-moi comment tu vas faire! C'est tout ce que vous avez? Allez! Oh, arrêtez ça! On va mourir ici! Tu te trompes! Tu as peur! Cette peur, tu dois l'instiller chez eux! Oui, suis-moi! Je vais y arriver! Elle veut plus envoyer. Elle voulait pas. Elle voulait pas, elle tournait en rond. Oh, c'est chiant là de recommencer parce que t'as un bug. Un homme à terre, il y a déjà un truc. Alerte. C'est ça, venez. Je vous attends.
Oh, on s'en tape tout à chaque fois. Flemme. Tu vois, dis-moi que rien, aucune raison d'avoir peur. Amicia, qu'est-ce que tu fais? On doit partir. Non, je suis fatiguée d'avoir peur. Qu'est-ce que je vais leur montrer que c'est terminé. T'es qui, toi? Viens, j'ai quelque chose pour toi. Il a un bouclier. Attention, une intruse. Alors, ça te plaît, hein? Quand tu trouves à qui parler. Ils sont trop nombreux. Il faut qu'on parte, vite. Pars si tu veux. C'est mon territoire maintenant. Ils vont tous mourir. Je t'aurai. Tu es mort. Ah oui? Viens alors. Montre-moi comment tu vas faire. C'est tout ce que vous avez. Allez. Tu dois arrêter ça. On va mourir ici. Tu te trompes. Tu as peur. Cette peur, tu dois l'instiller chez eux. Monsieur, patience. Ton tour viendra bientôt. Ici. Remettez-la à sa place. Oui, venez. Je vous attends. Vous voyez? C'est moi qui fixe les règles maintenant. Ça suffit. L'honneur de notre armée est en jeu. Non, vous l'avez déjà perdu. T'es mort. T'es mort, tu m'entends? Ah. Les queues étaient chercheuses complètement. Bah oui, en vrai, bon, on est d'accord que c'est petit caillou. Je suis sûre que si j'avais été moins agressive, j'aurais eu une autre possibilité. Je me serais échappée, j'aurais pas eu cette scène-là. Mais j'aurais une autre scène, je suis sûre. Je suis fatiguée d'avoir peur. Et très très douée la doubleuse. Rapide après ce que vous avez fait. On a payé le bourreau pour qu'il s'amuse un peu avec vous avant de vous pendre. Il est pas dans la merde, Lucas, c'est vrai qu'il... Tu devrais t'asseoir. Et c'est tout ce que tu as à dire. Allez. Tu peux faire mieux que ça. J'éclate tout le monde aussi. Ah, c'est trop tentant. Arrête. Non. Tu vois pas dans quel pétrin on s'est mis. On était juste censé ramener des plantes. Comment tu crois qu'Hugo va s'en sortir sans elle? Et sans sa sœur qui va finir pendue? J'ai fait une erreur. D'accord. Une erreur. Mais je l'ai faite plein de fois. Qu'est-ce qui m'arrive, Lucas? J'ai l'impression de devenir folle. Oui, parce que ce monde fait souffrir. Encore et encore. Et tu veux lui faire encore et encore. Mais c'est un combat perdu d'avance. Perdu d'avance, avance, avance. Tu n'es pas comme eux. T'es pas comme eux. Tu es une... Ah non! Prêt. J'attends ton signal. Restez là. On va attendre le bourreau. Non, j'appuie sur la manette. Merde! Non! En fait, j'ai commencé à poser ma tête sur la manette puisque j'en peux plus parce que je... Et j'ai passé! Je suis désolée! Oh non! Peut-être que si je relance la prochaine fois. Non, 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 en fait, j'ai mis ma tête sur la. Sur le bureau et ça a touché la. Ça a touché A et B et avec mon front ou je sais pas quoi et. Ça a passé. Merde! Je sais que j'en peux plus. Bon, allez, des bisous, VOD. À la prochaine. Désolé.